D'où l'intérêt de faire tous grève. Je sais que c'est très compliqué dans les boîtes privées. Et en 2020, on en est là aujourd'hui. C'est très dur de faire grève. On peut se faire virer, on peut se faire blacklister. C'est la merde. Je suis d'accord. Et donc, effectivement, la SNCF, on a la chance de pouvoir faire grève. Pas virer. Donc, c'était juste pour dire qu'en fait, effectivement, on vit des moments assez compliqués. Donc, je vais lire ce que, parce que je ne m'en rappelle plus d'ailleurs. Voilà, donc c'est un gouvernement qui tous les matins se réveille en se demandant comment il va bien pouvoir nous faire chier les salariés, les chômeurs, les retraités, les étudiants, parce que tout le monde en prend plein la gueule. Et si cette réforme elle passe, ben en fait pendant 2 ans ça va être comme ça pour quand. Et je pense que si elle passe, en fait il va repasser en 2022. Et si elle passe en 2022, c'est quand même bien, bien la merde. Ah, tu préfères Marie, révolution ? Non plus. Ni l'un, ni l'autre. D'ailleurs, je peux laisser passer la parole. Eh bien bonjour tout le monde. On représente les fonctionnaires grévistes féminins. Plus fort. Bah écoutez, je représente l'éducation nationale et c'est vrai que depuis le début, on est très peu à faire grève. Les gens sont pas contents, mais les gens au final ne parlent que de coronavirus. Alors que ça sert à pas. C'est vraiment pas dangereux ni grave. Et on n'entend vraiment que parler de ça aux infos. Il faut quand même comprendre que le gouvernement est en train de mettre à plat, de façon forcée, des lois qui datent d'une centaine d'années,
d'accord, qui ont été créés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et visiblement, quelqu'un de 40 balais peut changer tout en deux semaines. Visiblement, il ne veut pas de débat. BFM TV dit que c'est l'opposition qui ne veut pas de débat. Il se trouve que j'ai une vie géniale et que je passe mes journées à regarder l'Assemblée nationale. Et que vraiment, il y a du débat du côté de l'opposition, mais il n'y a aucune volonté de répondre du côté du gouvernement. Et visiblement, les gens s'en foutent. Il suffit de voir que les manifestations sont de moins en moins remplies. J'ai l'impression que même certains ont complètement oublié le sujet de la réforme des retraites. Bon, c'est peut-être égoïste, mais il se trouve que moi, je perds 40% de retraite et que visiblement, le ministre, avec 30 euros par mois, considère que ça va rattraper mes 40% de retraite en moins. Donc, voilà, on n'est pas seul dans l'éducation nationale. Les cheminots, c'est pareil, le mouvement s'essouffle complètement chez eux. Enfin, je sais pas, et on peut pas accepter ça, clairement. Donc, mobilisez-vous. Merci pour ce soir, de cette soirée déjà organisée pour la caisse de grève de la CGT. C'est vraiment un super événement. Donc merci à eux, merci à Constantin. Bah, écoutez, bonne soirée. Merci Baron, président. Allez, au revoir.
crazy. I said this like the last time we played here. It's awesome. Give it up to Constantine. Give it up to Spark. This is one of the most wonderful people in the game right now. I think you're the star. And give it up to Skizoid. Alexis, Skizoid. Give it up to them. Next question. It's great. And Insecurity. What's the next one for you? Thank you.
That's the thing. That's the thing. So, bye.